Bonjour à toutes et à tous, c'est Cubic, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui les amis on se retrouve pour une vidéo après plusieurs mois de travail, vous allez voir ça dans quelques instants. Alors oui, je vous retrouve après plusieurs mois d'absence de vidéo parce que tout simplement j'étais concentré sur le projet que je vous présente aujourd'hui. J'ai envie de vous dire, sans plus tarder, on va commencer. De toute façon, vous le voyez sous vos yeux et vous avez pu le voir dans la miniature de la vidéo. Alors oui, du coup, j'ai terminé le développement d'un petit jeu qui se nomme Sushi Legend, que vous pouvez dès à présent télécharger sur App Store et Android. Donc bien entendu, tous les liens sont en description. Et si vous souhaitez passer directement par les stores, vous marquez Sushi Legend dans votre store et vous trouverez directement le jeu avec le petit logo qui s'affiche à l'écran. Du coup, je vous propose de commencer tout de suite. Alors, avant quelques petites choses, je remercie tout d'abord Kenny, bien entendu, le lien de sa chaîne sera en description. C'est un pote à moi, tout simplement, qui a dessiné tout le jeu. Voilà, il a dessiné tout le jeu, je vous redirai deux, trois petits trucs, mais il a dessiné quasi tout. Et j'ai dessiné un ou deux petits trucs, mais il a quasiment tout dessiné. Et franchement, c'est à lui qu'on peut remercier les graphismes du jeu. Du coup, je vous propose, sans plus tarder, de découvrir un petit peu comment ça fonctionne. Alors, juste avant toute chose, j'ai fait ce jeu en C# avec Unity. Voilà, du coup, si vous voulez des petits tutos sur Unity, je pourrais par exemple vous faire un tuto Flappy Bird ou des petits trucs comme ça, ça pourrait être rigolo, donc n'hésitez pas à me donner vos avis en description. Du coup, on va lancer ce jeu. Alors hop, voilà, moi je vais le lancer sur le petit smartphone, c'est parti. Voilà, vous voyez l'écran s'afficher à l'écran. D'ailleurs, je vous parle un petit peu du jeu après, mais d'ailleurs j'ai dit que le jeu était terminé, mais bien entendu je compte sur vous les amis si vous voulez apporter des idées au jeu. Bon, bien entendu pas des trucs impossibles genre des serveurs en ligne et tout, mais des petits trucs sympathiques. Si vous avez des idées, dites-les moi en commentaire et je compte faire au fur et à mesure des petites mises à jour dans le jeu, ça pourrait être rigolo. Du coup les amis, on va un petit peu découvrir ce jeu maintenant, je vais arrêter de blablater. Alors déjà on arrive sur le jeu. Bon, moi vu que j'ai déjà joué sur le jeu en une partie, il n'y a pas les choses qui apparaissent la première fois que vous lancez le jeu. Vous verrez, je vous laisse découvrir, mais la première fois que vous lancez le jeu, il y aura un petit tuto à lire. Bon, bien entendu, le jeu est full en anglais, mais il y a trois dialogues, hein, donc ça servait pas à grand chose de le traduire. Du coup, on arrive ici sur la page et c'est marqué « Tap here to start ». Donc c'est parti, hop. Et en fait, à chaque fois que je vais cliquer sur l'écran, mon personnage, il va changer de côté et le but, en fait, c'est pour réussir à marquer des points, à matcher avec les items. Hop, là, je suis un onigiri japonais, hop, je dois matcher avec un onigiri. Là je suis un sushi, j'attends qu'il y ait un sushi à l'écran et hop, je vais pouvoir matcher avec un sushi. Et vous voyez, vous pouvez faire ça à l'infini. Et là, vu qu'on a, regardez, si je laisse passer un sushi, hop, je perds un cœur. Si je laisse passer les deux autres, je vais perdre mes autres cœurs. Hop, je suis mort. Voilà, donc vous pouvez voir que plus, en fait, vous allez aller loin dans le score, plus le jeu, naturellement, va accélérer. Ça permet d'accentuer la difficulté et c'est assez rigolo. Les 5 premiers points sont vraiment pour vous mettre en confiance et après, le jeu vous défonce. Enfin, vous verrez bien. Mais ne vous inquiétez pas, vous améliorez vite. En parlant de compatibilité, d'ailleurs, le jeu est compatible avec quasiment l'ensemble des appareils. Il est compatible jusqu'à iPhone 6 et iPhone 5. Oui, iPhone 5 aussi, normalement. Après, les iPhone 4, il me semble pas qu'ils soient compatibles, mais de toute façon, je sais même pas s'il est dispo sur les iOS en dessous d'iOS 10. Et d'ailleurs, il est aussi dispo sur les Android 4 minimum, voilà. Du coup, normalement, il n'y a pas de problème de compatibilité. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à m'en faire part, voilà. Du coup, on va continuer de découvrir ça. Donc là, on arrive sur une interface. On peut revivre en regardant une publicité. Donc ça, naturellement, c'est dispo dans beaucoup de jeux. On peut restart. On a le shop. D'ailleurs, le petit Instagram Art and Dev. Ça permet de découvrir mon Insta. Donc le dev, c'est moi qui l'ai développé. Et le Insta de l'artiste. Donc c'est Kenny. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. Donc, par exemple, découvrons le store. Hop, store. Ici, on va pouvoir découvrir, en fait, plein de petits packs à acheter. Par exemple, vous pouvez voir en haut à gauche que j'ai 51 pièces. Et là, par exemple, pour 100 pièces, pour acheter ce pack, pour 200, ce pack. Et là, par exemple, j'ai débloqué déjà des packs. Donc, le pack bambou, un peu, et le pack avec des ramen, des nouilles et tout. Donc, d'ailleurs, le pack bambou avec la fleur et la pièce, c'est moi qui l'ai dessiné à 100%. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis sur ça. C'est un des seuls packs que j'ai dessiné, quasiment. Mais, par exemple, hop, je le choisis, pack sélectionné. Donc, je fais la petite croix et je peux cliquer sur jouer. Et là, j'ai le petit pack bambou qui apparaît à l'écran. Je peux continuer de jouer à essayer de matcher mes items. Voilà. D'ailleurs, vous remarquez une petite pièce vient d'apparaître. Donc, il y a 2-3 petits trucs à régler encore, mais ça, c'est pas mal pour le moment. Donc, il y a des petites pièces qui apparaissent. Il y a aussi des petits cœurs qui apparaissent de temps en temps et des bonus de vitesse. Voilà, hop, là, j'ai pris un bonus de vitesse et je prends un petit peu plus de vitesse. Du coup, sur ce, les amis, on peut tenter de se faire une petite game tranquillou. Du coup, voilà, en papotant un petit peu sur ce jeu.
Franchement, je vous remercie d'avance si vous pouvez tester ce jeu, ça me ferait énormément plaisir et ça m'aiderait énormément si vous pouviez par exemple partager un petit peu le jeu, ça me ferait vraiment très très plaisir. Il y a encore 2-3 petits bugs qui traînent, mais le jeu est encore largement jouable et ça permet d'offrir un petit peu du contenu et petit à petit je vais essayer d'enrichir un petit peu le gameplay de ce jeu pour avoir, pour proposer un petit peu plus de choses. Je pense notamment par exemple à des idées comme des daily rewards, à des missions, ça pourrait être marrant. Ah, là on remarque un petit bug qui n'est pas gênant pour le jeu car quand on reclique, bah ça fonctionne, mais c'est un petit bug à noter, voilà. Du coup, je pense que c'est à peu près le tour du jeu un petit peu, il y a un petit menu pause qui fonctionne. D'ailleurs, vous écoutez depuis tout à l'heure des petites musiques sympathiques, ce sont les musiques du jeu, voilà, donc n'hésitez pas d'ailleurs à me faire part de musiques que vous pouvez aimer. Je prends que les musiques de type lofi, chill, un petit peu japonisé, ça peut être sympa, ça serait dans le cadre du jeu, mais voilà. Sur ce, on va cliquer sur replay, voilà, pour être un petit peu sur le menu d'accueil. Voilà, je vais arrêter de parler les amis, et je vous propose dès à présent de tester ce jeu, voilà, j'aimerais beaucoup les amis que vous puissiez m'apporter tout simplement un avis sur ce jeu, si vous pouvez tout simplement aussi m'aider à faire connaître ce jeu, ça m'aiderait beaucoup en tant que développement. Ça pourrait par exemple, vous savez que les revenus tout simplement que génère le jeu, je les exploite tous tout simplement déjà pour rentabiliser le jeu, parce que le jeu n'est pas encore rentable, tous les moyens qu'on a mis pour développer le jeu ne sont pas encore rentabilisés. Du coup voilà, déjà ça serait notre objectif numéro 1. Ensuite, pouvoir tout simplement pourquoi pas payer des sound designers pour avoir des petits bruitages beaucoup plus travaillés. Enfin, en fait, on veut tout simplement investir tous les revenus que génère le jeu dans le jeu pour essayer tout simplement de se faire plaisir et faire notre petit jeu à nous. Et si vous pouvez participer à faire ce petit jeu avec moi, ça serait super cool, voilà, donc n'hésitez pas à donner vos idées. Et encore une fois, si vous pouvez tester ce jeu, n'hésitez pas à donner des avis sur les stores si vous avez testé le jeu, des avis constructifs qui nous permettent d'améliorer le jeu et tout simplement de le partager, ça nous aiderait énormément. Sur ce, je vous remercie d'avance si vous pouvez tester ce jeu, bien entendu, c'est en description. Vous pouvez le trouver en tapant sur les stores Sushi Legend. Petite parenthèse sur l'App Store, c'est Sushi avec 2 i parce qu'on a eu un petit problème, mais sinon c'est Sushi Legend et vous voyez le logo du jeu. De toute façon, c'est sur la miniature de la vidéo. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à tester ça, partager ça, noter ça, me donner vos idées en commentaire. J'ai envie de vous dire, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, ciao ciao tout le monde, c'était Cubix. Allez, bye. On se retrouvera d'ailleurs peut-être pour une petite série de vidéos où j'améliore le jeu en vidéo, ça pourrait être rigolo. Et n'hésitez aussi pas à me donner vos idées si vous voulez des tutos Unity sur la chaîne, par exemple un petit jeu Flappy Bird, dites-moi ce que vous en pensez. Allez, ciao tout le monde, portez-vous bien.